12 novembre 2021, Anya Taylor-Joy est fière d'avoir été élue visage de l'année. Anya Taylor-Joy était déjà une des stars les plus populaires de l'année, grâce à sa série Le jeu de la dame, sur Netflix, mais elle est désormais également le visage de l'année. C'est en tout cas le prix que lui a remis le CFDA, Council of Fashion Designers of America, qui l'a récompensé lors de sa grand-messe annuelle ce mercredi. Cette année a changé ma vie. Beaucoup de leçons ont été apprises sur le tas et de nouvelles expériences ont été vécues. Je me sens tellement privilégiée d'avoir la plus belle équipe à mes côtés, qui me tient la main et me donne l'espace nécessaire pour grandir, a-t-elle posté en remerciant le CFDA et Tom Ford, son président, sur Instagram. Jennifer Aniston félicite Paul Rudd pour son titre d'homme le plus sexy. Taylor Swift collabore avec Starbucks pour un café à son effigie. Si vous êtes fan de Taylor Swift au point d'avoir envie de boire le même café qu'elle, Starbucks a pensé à vous. La chaîne de coffee shop américaine a en effet annoncé sa collaboration avec la chanteuse pour permettre de commander la boisson préférée de la star, un latte caramel avec du lait écrémé, en format grande. L'occasion était trop belle pour l'entreprise, alors que la chanteuse sort le réenregistrement de son premier album, Red, et que le coffee shop remet en circulation ses tasses à café rouge quand l'hiver approche. Zéro commentaire 17 partages partagés sur Messenger partagés sur Facebook partagés sur Twitter partagés sur Flipboard partagés sur Pinterest partagés sur LinkedIn envoyés par mail sauvegarder une faute imprimée.